c'est un plaisir mortel d'origine japonaise. Un mets sulfureux très apprécié au pays du soleil levant. Un frisson gastronomique irrésistible pour ses amateurs. Une tentation culinaire qui fait aujourd'hui encore des victimes. Le fugu, le poisson tueur. Tradition. Luxe. Mépris de la mort. Risques imprévisibles. Et terribles conséquences. Tels sont les ingrédients de ce polar gastronomique « Made in Japan ». Tokyo, capitale mondiale de la gastronomie. Plus de 160 000 restaurants. Un millier de nouveaux établissements ouvrent chaque mois. Pour l'année 2010, le guide Michelin a décerné 191 étoiles aux restaurants de la capitale japonaise. Presque deux fois plus qu'à Paris, trois fois plus qu'à New York. Pour les gourmets avides de saveurs originales, Tokyo est un paradis. Pour les abonnés aux steaks frites, en revanche, c'est un monde étrange, peuplé de surprises, plus ou moins agréables. Dans le quartier d'Asakusa, le restaurant Muraya régale les becs fins les plus audacieux. La seule et unique spécialité de la maison, du poisson venimeux. Accrochés dans l'entrée, des diplômes d'État certifiant la compétence du personnel de cuisine, histoire de rassurer les clients. Juste en dessous, l'objet du délice. Ceux qui viennent manger ici mettent leur vie entre ses mains. Maître Miura, 72 ans. Le chef cuisinier est en train de fileter un fugu. Cela fait 40 ans qu'il pratique cet art. Et jusqu'à aujourd'hui, tous ses clients ont survécu. Extrêmement toxique, les viscères doivent être bien séparés de la chair. Faute de quoi, le dîner peut s'avérer mortel. Un seul exemplaire de ce poisson pourrait emmener dans l'au-delà toute une armée de gourmets. D'où la poubelle haute sécurité, la boîte de Pandore de Maître Miura. La loi l'oblige à mettre sous clé les déchets toxiques dès leur prélèvement. Plus tard, ils seront éliminés chimiquement. Lever les filets d'un fugu est un art qui requiert beaucoup d'expérience. Atsushi, le commis de cuisine, a été autorisé à observer le maître à l'œuvre. Je suis en train de le vider de son sang et d'enlever la membrane visqueuse pour qu'il soit présentable. Ce morceau est destiné au sashimi. Les autres seront cuits à la marmite. Et ça, c'est pour le saké, le hiré saké. On sèche bien la nageoire pendant 3 jours, on la fait griller, puis on la plonge dans un saké chaud, ce qui donne du saké aux nageoires. Pour préparer un fugu, le chef cuisinier a besoin de 3 couteaux spéciaux. Pour la peau et les os, il utilise un couteau lourd et un couteau médian. Pour faire des sashimi de fugu, il dispose d'un couteau particulier. Flexible, sa lame extrêmement aiguisée glisse dans la chair ferme comme un fer à souder dans du beurre.
aussi précis qu'un maître de sabre. Un couteau entre les mains, un bon chef de sashimi est un véritable artiste. D'un geste fluide, il découpe des tranches de chair aussi fines que du papier à cigarette. Pour les connaisseurs, de la poésie à l'état pur. Voici un plat de sashimi de fugu. Cette présentation s'appelle chrysanthème parce qu'on le dispose comme des fleurs de chrysanthème. L'assaisonnement est un mélange de sauce de soja et de vinaigre de riz que nous appelons ponzu. Ceci est du radis râpé avec du piment que nous appelons momiji oroshi, radis érable. Érable parce que sa couleur est proche de celle des feuilles d'érable en automne. On les déguste avec cela. Au Japon, le fugu se mange à toutes les sauces. Peau de fugu en salade. Chair de fugu cuite à la vapeur. Côte de fugu grillée. Filet de fugu sauce aigre douce. Peau de fugu assortie d'une gélatine à la sauce soja. Plaisir divin ou tentation diabolique? Le fugu est un luxe vendu à un prix exorbitant. Pas moins de 100 euros le plat. Les connaisseurs raffolent de sa chair ferme et de son goût subtil. Mais les gourmets en mal de sensations fortes ne sont pas les seuls à s'enflammer pour ce poisson. Même les Japonais qui tiennent à leur vie en pincent pour lui. En plat principal ce soir, du fugu jiri, une sorte de poté à base de fugu, de tofu et de fucus. Un menu potentiellement toxique, mais qui visiblement n'effraie pas les convives. S'il y a des morts? Oui, parfois il y a des morts. Mais quand on mange, on n'y pense pas. C'est tellement bon. Le fugu a un goût discret, délicat. Il y a énormément de variétés. Et on peut le déguster de différentes façons. C'est ce qui me fait aimer le fugu. C'est un poisson facile à consommer. En hiver, il est excellent en poté cuit dans une marmite. On l'apprécie parce qu'il n'est pas gras du tout. Ce poisson est un luxe. On aurait envie d'en manger non pas une fois par an, mais une fois par semaine. Mais ce plaisir des papilles vaut-il vraiment le risque encouru? Au fil des siècles, de nombreux cuisiniers ont mis leur vie en jeu pour trouver la meilleure façon de préparer le fugu. Et beaucoup ont perdu. Les plus grands chefs de guerre japonais redoutaient ce petit poisson, car son poison pouvait décimer leurs armées plus vite que n'importe quel autre adversaire. Ainsi, il était défendu aux samouraïs de manger du fugu. Une loi interdisait même à l'empereur d'en consommer. Une interdiction encore valable aujourd'hui. Mais le peuple, lui, ne pouvait renoncer à ce mets diabolique. Même la poésie rendait hommage au poisson tueur. Car nulle part ailleurs, plaisir divin et destin funeste ne se côtoient aussi étroitement que dans l'amour et le fugu. Mon amour n'est pas venu. Ce soir, je me console avec une soupe de fugu. Ce vers écrit en 1778 par Busson décrit sans doute un amour inaccessible. Il évoque les sentiments languissants d'un amoureux qui se dit « Ce soir, je vais manger du fugu pour me distraire. » Kiichi Kitahama, lui aussi, a succombé au charme du poisson venimeux. Pour lui, le fugu est une véritable passion. Bienvenue dans l'antre de M. Kitahama, une sorte de musée entièrement dédié au poisson globe. À 82 ans, Kiichi Kitahama est un spécialiste du fugu, toujours prêt à dévoiler à ses visiteurs les nombreuses facettes de ce poisson. De 1886 à 1979, donc en 93 ans, 12 600 cas d'intoxication ont été dénombrés, dont 6 925 décès. Plus de 70 morts par an.
C'est en 1958 que le fugu fait le plus de victimes. Préparé par des cuisiniers inexpérimentés, il provoque 289 intoxications, dont 176 décès. Pour en finir avec cette roulette russe, des experts demandent à l'État japonais de mettre en place une réglementation stricte et d'exiger des cuisiniers qu'ils obtiennent une licence pour préparer le fugu. Parmi les 38 espèces de fugu que l'on peut trouver dans la zone littorale du Japon, 22 sont consommables, sachant qu'il y a des restrictions pour certaines parties du poisson. La présence des toxines varie d'une partie à l'autre selon les espèces. Pour la première fois, notre pays a établi une directive sur la consommation de fugu. La municipalité de Tokyo se veut rassurante et conseille aux citoyens de ne pas accorder trop de crédit aux racontars. Les quelques personnes décédées seraient des pêcheurs imprudents et des cuisiniers amateurs. Du matin, Atsushi Domon, le commis de cuisine, prend son service au Myuraya. Au Japon, c'est à la force du poignet qu'on s'élève dans la hiérarchie. Pour devenir chef cuisinier, il faut donc commencer en bas de l'échelle, c'est-à-dire à la plonge. Je suis venu de Yamagata il y a 4 ans pour obtenir une licence de maître de fugu. Je n'avais pas envie d'aller dans une école. Je voulais apprendre le métier dans un restaurant. Aujourd'hui, Maître Miura veut voir si son élève a bien retenu ses leçons. Un peu nerveux, Atsushi enfile ses bottes en caoutchouc. Il sait que pour abattre un fugu, il faut avoir les nerfs solides et l'estomac bien accroché. Là où tu fais une incision, il faut couper d'un coup. Et tout droit. Il vit encore, donne-lui un coup sur la tête. Au début, cela m'impressionnait de les débiter. Mais maintenant, j'ai l'habitude. Les débutants mettent une dizaine de minutes pour le vider et environ une heure pour découper le sashimi. Pour passer l'examen, il faut réduire ce temps à moins de 20 minutes pour l'ensemble. Vingt minutes seulement pour vider et préparer un fugu? Pour y parvenir, Atsushi devra s'entraîner d'arrache-pied. Et Maître Miura va devoir reconstituer ses stocks de poissons globes. Hanori, un village de pêcheurs à 380 km au sud-ouest de Tokyo. Seishi Katayama est pêcheur de fugu. Et son principal souci en ce moment, c'est la météo. Depuis une semaine, la mer est trop forte pour sortir. Or, la saison ne dure que 5 mois. Et elle se termine dans quelques jours, fin février. Ici, tout le monde vit du poisson globe. Les annonces des autorités portuaires sont donc attendues avec impatience. Nous informons les pêcheurs de fugu qu'il n'y aura pas de sortie en mer demain. Je répète, pas de sortie en mer demain. C'est normal qu'on soit morose. On n'est pas des employés de bureau. Le métier de pêcheur est dicté par la météo. Le lendemain soir, le temps ne s'est pas amélioré. Plus que 2 jours avant la fin de la saison, les pêcheurs ont le moral en berne. Et puis, enfin, les nuages s'éloignent vers la mer. Les pêcheurs sont autorisés à sortir. Un véritable soulagement pour eux,
car c'est leur dernière chance de pêcher du fugu avant la pause estivale. On se sert de 10 paniers comme ceci à la fois, et on fait ça 3 fois par jour. C'est-à-dire, en une fois, nous lâchons 800 mètres de fil de pêche dans la mer, donc au total 2400 mètres par jour. Mais même avec ça, il nous arrive de ne rien pêcher. Partie à minuit du port, la flotte arrive à destination vers 4 heures du matin, peu avant l'aube. Par gros temps, la proximité des autres bateaux est rassurante. Et le fait de sortir ensemble donne à tous les mêmes chances. Malgré le vent glacial qui engourdit les doigts, Seishi Katayama et son frère sont de bonne humeur. Ils espèrent compenser les pertes de la semaine passée. Quand tout va bien, on attrape 15 ou 20 poissons. Mais cette année, c'est beaucoup moins. Le bateau est resté au port près d'une semaine. Les pêcheurs doivent faire vite. De gros nuages réapparaissent à l'horizon. La ligne est remontée. Armé d'une baguette de bambou, l'un des hommes détache les petits poissons qui se sont pris dans la ligne. Mais pas de fugu en vue. Deuxième tentative. La ligne est à nouveau garnie d'appâts. Le temps se dégrade, la tension monte. La mer devient houleuse. S'ils n'attrapent pas quelque chose maintenant, ils auront fait tout ça pour rien. La ligne défile une deuxième fois. Rien, pas un seul poisson. De quoi désespérer. Il ne manquait plus que ça. Un avis de tempête. Mais Seishi Katayama ne veut pas faire demi-tour. Il veut absolument retenter sa chance. Ce sont nos derniers appâts. Si ça ne mord pas, c'est fini. Chaque minute compte. À chaque mètre de ligne qui défile, les hommes espèrent un peu plus. S'ils rentrent au port sans fugu, ce sera une perte sèche. Soudain, un fugu tigré. Pas très gros, mais c'est toujours mieux que rien. Les derniers mètres de ligne sont remontés. Et un de plus. Cette fois, un beau spécimen. S'ensuit un rituel aussi cruel que nécessaire. Les dents acérées du fugu sont arrachées afin d'éviter qu'il ne blesse ses congénères dans les casiers à poissons. Car non content d'être toxique, le fugu est aussi très agressif. Ils ont passé 15 heures en mer. Au port, des revendeurs les attendent avec impatience. La vue des paniers presque vides n'est pas réjouissante. Ici, tout le monde sait bien que depuis plusieurs années, les quotas de pêche sont en baisse. Mais jamais encore, le butin n'avait été aussi maigre. Aujourd'hui, c'était vraiment maigre. Toute la saison a été mauvaise. C'était le dernier jour de pêche et j'espérais un peu plus. Mais de toute façon, c'est fini pour cette année. Shimonoseki, probablement la seule ville de l'archipel où chaque matin, les couleurs japonaises sont hissées devant un fugu. Si la cité voue un véritable culte aux poissons mortels, c'est parce qu'il l'a rendue riche, très riche. Car Shimonoseki est le centre névralgique du commerce du fugu. Shimonoseki, c'est un peu Fugu City.
La première vente aux enchères commence aux aurores. Tous les fugu du Japon sont vendus ici. Mais seuls 20% d'entre eux ont été pêchés en mer. Les 80% restants proviennent d'élevage artificiel. La vente aux enchères est un rituel qui suit une ancienne tradition. Ici, pour faire une offre, mieux vaut avoir un certain doigté. Un doigt serré correspond à 1000 yens, 2 à 2000 et 3 à 3000 yens. Ici, pas de tractation secrète. L'offre la plus importante est toujours annoncée haut et fort. Cette tradition rend hommage aux ancêtres des Japonais. Lorsque deux samouraïs se serraient la main sous leurs manches, ils scellaient un accord ferme et définitif. Un peu plus loin, le fugu acheté aux enchères est préparé à la chaîne. Le poisson globe est détoxifié ici pour les restaurants qui n'ont pas de cuisinier autorisé à le faire. La passion des Japonais pour ce poisson mortel fait vivre tout un secteur économique. On achète le fugu au marché et on le transporte jusqu'ici. On enlève d'abord le poison, puisque le fugu contient du poison. Ensuite, nous faisons le tri et nous emballons les produits pour les expédier. En ce moment, derrière nous, les produits sont mis en boîte. On les présente bien pour les expédier au marché ou au restaurant. En pleine saison, nous traitons environ 6000 poissons par jour. Ce grossiste est formel. En sortant d'ici, le poisson mortel est aussi inoffensif que du hareng sous vide. Chaque année, les Japonais consomment 3 millions de tonnes de fugu. 80% viennent de Shimonoseki. Ce poisson culte a rendu la ville si prospère qu'ici, on ne l'appelle pas fugu, mais fuku, ce qui signifie richesse. Marché de Tsukiji, à Tokyo. Le plus grand marché aux poissons du monde. 65 000 négociants, sous-traitants, grossistes et détaillants. Une ville dans la ville. Tonnes de poissons sont vendues ici chaque jour. Du fucus aux sardines, en passant par le thon et le caviar. On trouve à peu près tout ce que la mer peut offrir de bon à manger. Même les produits les plus toxiques. Maître Miura inspecte la marchandise de ses fournisseurs habituels. Et il est très exigeant. Celui-là est un peu petit. Là, il y en a le plus grand. Ceux-là sont parfaits. La taille et la grosseur sont déterminantes. Les fugu sont meilleurs quand ils sont gros. On peut acheter directement aux pêcheurs sur la plage, mais on risque de ne rien trouver quand la mer est mauvaise. Ici, les poissons arrivent de tout le pays, on peut choisir. C'est l'avantage de ce marché. Seuls les restaurateurs qui possèdent une licence peuvent acheter du fugu frais. Maître Miura est un fidèle client de ce vendeur, plus de 40 ans. Pas besoin pour lui de montrer patte blanche. Il lui suffit de coller une étiquette à son nom sur la marchandise. Ce matin, Atsushi se rend lui aussi au marché aux poissons. Mais dans un secteur où les clients s'aventurent rarement. En gros caractères, sur cette porte, est inscrit « Détoxification ». À l'intérieur du local, où l'air est étouffant, des hommes en tablier blanc. Et derrière la vitre de sécurité, des jeunes gens munis de livres qui s'affairent nerveusement autour des poissons. C'est dans cette école spécialisée que les cuisiniers s'entraînent à préparer le fugu. Ils passeront leur examen ici même dans un mois.
Aujourd'hui, Atsushi doit montrer ses progrès à l'examinateur. Comble du stress pour Atsushi, Maître Miura est venu observer son élève. Le jeune homme va devoir travailler dans les conditions réelles de l'examen. 3 couteaux, 5 serviettes, 1 poisson et seulement 20 minutes pour le préparer. Vous êtes prêts ? C'est parti. Découper le poisson, il sait le faire. Il en a déjà découpé des centaines. Mais pour l'examen, c'est peut-être un peu juste. Il ne s'entraîne que depuis le début de l'année. Chaque organe toxique doit être méticuleusement placé sur un petit plateau et identifié. La moindre hésitation, la moindre erreur, et c'est l'échec assuré. Les parties comestibles sont découpées et posées sur un deuxième plateau. Plus qu'une minute et 15 secondes. Atsushi essaie de ne pas se laisser déstabiliser par le regard perçant de ses examinateurs. Mais la pointe du couteau trahit son extrême nervosité. Pour le sashimi, une rangée suffira. Maintenant, essuyez bien la planche et vérifiez bien s'il n'y a pas d'erreur. S'il finit en 20 minutes pile, ça ira. C'est le début, il faut qu'il s'entraîne un peu plus. Cette membrane-là, elle doit être retirée. Regardez ici, prenez une serviette et essuyez-moi ça. Vous voyez, il y a encore du sang. Le sang est aussi un poison. Il faut surtout faire attention au foie et aux parties en contact avec le foie. C'est le plus important. Si vous vous trompez sur ce point, vous n'aurez pas votre examen. S'il reste un morceau d'entraille sur les tranches de sashimi, c'est grave. Quand j'aurai un restaurant, il faudra que je fasse très attention, car les entrailles du fugu sont toxiques. On peut empoisonner les clients. Le fugu, un petit poisson plein de mystères. Les poissons globes ne sont pas tous aussi venimeux. Il arrive même qu'au sein d'une même espèce, dans le même environnement, certains soient toxiques et d'autres non. Un phénomène dont les scientifiques tentent de trouver l'origine. Nous savons que les autres poissons évitent les œufs du fugu. On peut en déduire que si la concentration de toxines est particulièrement élevée dans les œufs du fugu, c'est pour les protéger de leurs ennemis naturels. D'autre part, nous avons constaté que les fugu vivant dans un espace réduit se mordent. En mangeant de la nourriture contenant la toxine, les fugu augmentent leur capacité immunitaire. Certains chercheurs disent que la toxine du fugu est physiologiquement nécessaire pour lui-même. Il y trouve son équilibre. Mais quelle est donc la spécificité de ce poison? En disséquant plusieurs spécimens, les chercheurs découvrent que les fugu vivant en pleine mer sont tous plus ou moins toxiques, mais qu'aucun poisson globe d'élevage ne l'est. Nous avons ensuite réalisé une expérience en ajoutant cette toxine dans la nourriture destinée aux fugu qui n'étaient pas venimeux. Or, la toxine s'est accumulée dans ces fugu et ils sont devenus venimeux. Par conséquent, on peut supposer que les fugu ne fabriquent pas cette toxine eux-mêmes, mais la prennent dans la nourriture et la stockent dans leur propre corps. Les scientifiques émettent donc l'hypothèse que l'origine du poison se trouve dans la chaîne alimentaire. Les pseudomonades seraient en cause, des bactéries qui produiraient le fameux poison. La clé du mystère ?
Aujourd'hui, nous pensons que des bactéries fabriquent la toxine du fugu, mais cette théorie n'explique pas pourquoi les fugu sont aussi violemment toxiques. Cela reste une question à élucider. Au terme de 40 années de recherche, les Japonais finissent par isoler le poison. Il est plus dangereux que le curare ou le cyanure, 1000 fois plus violent que la mort au rat. Un microgramme par kilo de poids corporel suffit à tuer un homme. Son nom ? La tétrodotoxine, l'une des neurotoxines les plus puissantes du monde. Les nerfs sont reliés ainsi, un par un. Dedans se trouvent des chaînes du sodium. Le sodium permet l'émission de signaux électriques. Ces signaux déclenchent la transmission entre les nerfs, c'est-à-dire les sensations. Cependant, quand la tétrodotoxine entre dans le sang, elle bouche les trous de la chaîne du sodium, si bien que le sodium n'entre pas dans le nerf et que les signaux électriques ne se produisent pas. Un poison perfide qui paralyse le corps et bloque les muscles respiratoires. La victime meurt d'asphyxie. Il y a eu beaucoup d'intoxication par le fugu, mais la plus célèbre s'est produite le 16 janvier 1975. Cette victime-là était déjà une légende de son vivant, Mitsugoro Bando 8, l'un des plus célèbres acteurs de kabuki du Japon. Bando était un fin gourmet. Un soir, accompagné d'une geisha et de plusieurs amis, il se rend dans l'un des restaurants les plus renommés de Kyoto. Les convives décident de manger une potée de fugu. Le directeur de théâtre, qui veut impressionner son illustre invité, demande à ce qu'on leur serve de tout petits morceaux de foie de fugu. Un mets strictement interdit à la consommation, mais un régal absolu pour les initiés. Des portions d'1,4 cm de côté sont servies. 4 grammes à peine. Délice ou supplice. Personne n'ose goûter le foie. Personne, sauf Bando. Consommer 20 grammes de foie de fugu est fatal. Cela correspond à une dose mortelle pour un adulte qui est de 200 000 unités souris. Également appelée DL50, une unité souris est la dose de poison nécessaire pour tuer une souris de 20 grammes en 15 minutes. 200 000 unités souris, c'est donc la mort assurée pour un homme. Bando trouve le foie tellement délicieux qu'il demande la part de son voisin. Puis une autre. Et une dernière. Au total, 16 grammes de foie. Seulement 4 grammes en dessous de l'extrême limite. J'ai moi-même examiné un fugu qui avait une toxine très dense. Si le foie contient 41 104 unités souris, la dose mortelle est atteinte à 4,8 grammes. En en consommant 15 ou 16 grammes, c'est mortel. Dans la nuit, Bando se réveille en sursaut. Il a mal à la tête et se sent très oppressé. Les symptômes de l'intoxication au fugu passent par 4 stades. D'abord, un engourdissement autour de la bouche. Au deuxième stade, l'engourdissement s'étend aux mains et aux pieds. Au troisième stade, l'engourdissement touche les nerfs moteurs, le corps est paralysé. Bando sent tout son corps se rigidifier, comme s'il était coulé dans une chape de béton. Sa respiration se fait de plus en plus faible, mais son cœur continue à battre. La victime reste consciente jusqu'à la mort, mais ne peut plus bouger son corps. La compagne de Bando appelle les secours, mais il est trop tard. Le gourmet expire, tout en comprenant la raison de son agonie.
Nos prédécesseurs savaient que la respiration artificielle peut sauver les personnes intoxiquées. Ils creusaient un trou sur le rivage et y amarraient solidement l'intoxiqué, de façon à ce que les vagues fassent pression sur sa poitrine jusqu'à l'évacuation du poison. Ils pratiquaient une sorte de respiration artificielle. Le poisson mortel est un mythe controversé. Certains reprochent à l'État de ne rien faire pour protéger ses citoyens. Mais les Japonais répliquent qu'au cours des 10 dernières années, la vache folle a fait plus de victimes en Grande-Bretagne que le fougou au Japon. Il fait 30 degrés dans sa petite chambre. Atsushi n'arrive pas à dormir. Il sait qu'il ne va pas fermer l'œil de la nuit. Le jour se lève et Atsushi a les nerfs à vif. Mais il en est persuadé. Aujourd'hui, il va devenir maître de fougou. C'est jour férié à Tokyo. Le marché aux poissons est désert. Pour Atsushi, c'est le calme avant la tempête. Dans quelques minutes, il va passer son examen. Maître Miura est venu voir comment son élève se débrouille. C'est un peu la réputation de son restaurant qui est en jeu. Mais pour l'instant, Atsushi reste comme paralysé devant la porte, avec une folle envie de retourner à la plonge. Les candidats commencent à s'installer, mais l'un d'eux manque à l'appel. Le directeur de l'école demande un peu de patience. Mais où est donc Atsushi ? Nous finissons par le découvrir sur le parking. Vous pouvez entrer. Atsushi, tu peux entrer. À présent, il ne peut plus faire marche arrière. Les jambes en coton, il se lance dans l'arène des débiteurs de fougou. Vingt minutes, c'est juste assez pour tout finir, mais sans pouvoir rien vérifier. Ce moment-là, il l'a attendu pendant 2 ans. Atsushi n'a plus que 20 minutes à tenir. Le succès semble à portée de main. Je préférerais qu'il ne soit pas admis. Il vaut mieux échouer la première fois, parce qu'il va être obligé de s'entraîner vraiment. S'il est reçu du premier coup, il risque d'avoir la grosse tête. Comme c'est écrit dans le règlement, l'épreuve consiste à découper 24 tranches de sashimi. On commence à 8h30 pile. Prêt ? Commencez. Atsushi s'affaire sous l'œil de lynx de l'examinateur. Jusqu'ici, il s'en sort plutôt bien. Et il est dans les temps. Dernière ligne droite. Plus qu'une minute pour les sashimi. Cette fois-ci, ne pas trembler, ne pas se laisser gagner par la nervosité.
c'est fini. Les tranches de sashimi sont immédiatement comptées. Il s'est plutôt bien débrouillé, n'est-ce pas? Propreté, rapidité, présentation, tout est noté et tout doit être parfait. Chez Atsushi, tout a l'air en ordre. Oui, mais... Tu n'as pas prévu assez de serviettes. Dans le règlement, on t'en demandait plus que ça, non? Comme tu n'en avais pas assez, tu as utilisé la serviette avec laquelle tu avais essuyé les entrailles pour essuyer le filet du sashimi. À mes yeux, c'est fatal. Échouer si près du but à cause d'une serviette. Ce coup de fil, Atsushi l'avait imaginé bien différemment. Maman, tout est allé si vite. Enfin voilà, je n'ai pas réussi. La sanction doit lui paraître injuste. Mais pour le bien des gourmets de Tokyo, c'est certainement beaucoup mieux comme cela. Maintenant, j'arrive à tout faire en moins de 20 minutes. J'essaie de m'améliorer, d'apprendre plus de techniques pour pouvoir le faire encore plus vite avant l'année prochaine. Je persévère. Ça dépend des gens. Certains réussissent du premier coup, d'autres mettent 3 ans ou n'y arriveront jamais. Mais finalement, ce sont ceux qui ont raté l'examen 2 ou 3 fois qui deviennent les meilleurs chefs. Le fugu. Délice ou supplice? Quoi qu'il en soit, une spécialité à vous couper le souffle.